told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you. Salut à tous, excusez-moi s'il y a un son pourri. C'est parce qu'il y a un petit peu de vent et il fait toujours pas beau, donc je peux pas sortir mon appareil, je suis obligé de tout faire avec le téléphone. Je vais tout vous faire en voix off, au moins cette introduction. Vous avez vu, il y a pas mal de vent et c'est la galère. Attention, c'est parti. Alors, j'étais en train de dire que j'étais super content de mon petit chauffage ici. Je l'ai laissé tourner pendant environ 3-4 jours et j'ai consommé 5 litres d'essence. J'en suis super content, ça chauffe super bien, ça sèche le linge. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, je me gratte un peu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vidanger le circuit. Chauffage intérieur, on va remettre du liquide caloporteur qui se trouve dans les petits bidons bleus que vous allez voir. Voilà, c'est cela, et vous allez voir que ça va pas être une mince affaire. Attention, c'est parti. Bon, alors voyons voir ça, si c'est tout sale. J'avais nettoyé tout le système avec du vinaigre. Voilà, on va faire ça et on va voir ensemble ce que ça donne. Oh, attends, ça va. On va tout vidanger, ça va nous donner à peu près le la contenance du circuit. Donc là tout est ouvert, ouais, c'est bon, bah, ça va commencer à couler tout doucement. Ça va, il n'y a pas trop d'impureté, ça sent le vinaigre, mais ça va, c'est pas trop sale. Alors regardez, non, là ça commence à être bien sale. Hein. C'est tout rouillé. Je pense qu'avec le liquide qu'on m'avait donné là, qui est de super qualité, ça va être nickel. Liquide caloporteur exprès. Et bah, là, je sais pas combien il fait de saut, mais ça doit faire au moins 15 litres. Hein. Et ça n'a pas l'air de désemplir. Hein. Oh, ça va s'arrêter d'un coup net, sûrement. Bon, on va y arriver, je pense, hein, à vidanger tout ça. C'est ouais. Bon, bah d'ailleurs, tout est vidangé. Et là, moi, je remplis les bouteilles avec des bidons. Voilà, et vous voyez, le liquide, il est orange. Et c'est Lucie, là-haut, coucou, qui met tout ça dans le vase expansion. Donc, je lui passe les bouteilles. Et puis, moi, je les recharge en bas au fur et à mesure. Et environ, je pense qu'il y a 20 à 25 litres en tout dans tout le circuit. Voilà, ça fait super gaffe. Oh, yes. C'est bon? Ouais. Attention, hein. J'aurais dû te mettre le bouchon. Moi, je me suis rehaussé. Tu t'es rehaussé. Voilà, donc elle met ça dans le vase expansion. Et puis après, on fera la purge et tout. Ça sera galère, mais c'est pas grave. Sinon, c'était trop compliqué à sortir une pompe et tout. Puis là, il fait froid et j'ai pas envie. Là je veux vraiment faire au plus simple. Hein, ouais. C'est bon, ça y va? Ouais. Nickel. Bon, j'ai eu un petit souci, il se trouve que ce petit circulateur là que j'avais rechangé justement, et ben en fait il s'est grippé. Alors allez comprendre pourquoi, je ne l'ai pas fait fonctionner beaucoup, hein. Il marchait super bien, là il fonctionnait tout à l'heure. Et en fait, tiens, il fait un drôle de bruit, et vous allez voir, l'intérieur il est grippé. Vous voyez? Je peux pas le tourner. Je force. Et voilà, en forçant beaucoup, j'arrive à le faire tourner. Enfin, il a grippé. Donc, je suis un petit peu déçu, quoi. C'est dommage, parce que c'était bien pratique. Après, le système fonctionnait, parce que des fois, j'oubliais de la mettre en route, cette pompe. Et je me suis rendu compte que tout le système fonctionnait. Ça arrivait à tourner dans tout le système, uniquement avec cette pompe d'origine. Donc, du coup, j'ai mis un tube en urgence, là. J'ai mis un tube, et puis on verra si ça fonctionne. Puis si vraiment ça va pas, comme j'ai des vannes un peu partout, je pourrais en remettre une, comme j'en ai encore une. Donc je sais pas pourquoi, aucune idée, voilà. Dans tous les cas, c'est quasiment purgé, ça fonctionne bien, j'ai réussi à tout faire chauffer tout à l'heure, il me reste uniquement à purger le circuit de chauffage principal. Voilà, donc je remets mes petits colliers par là, ici et ici, et je vais purger le circuit principal. Et ensuite ça sera ok, j'ai mis déjà 20 litres de liquide dedans. Oh, quelle galère, mais quelle galère! Ça fait depuis j'ai commencé à faire la vidéo, il était midi, enfin il était 11h. Là, il est 15h et on n'arrive toujours pas. On avait des bulles d'air et j'arrivais pas à vidanger le circuit principal. J'ai réussi à le vidanger, mais j'arrivais pas à le remplir. Donc ça m'a saoulé, j'ai fermé toutes les vannes et, pour laisser tourner uniquement mon circuit principal et j'ai balancé de l'eau en pression dedans. Donc ça m'a vidé toutes les bulles d'air dans tout le circuit. Et là, on a remis le Webasto à tourner uniquement dans le circuit principal. Et en fait, j'aurais dû faire ça dès le départ avec chaque circuit, j'ai pas pensé. Voilà, je suis en train de couler là un petit peu. Là, ça commence tout doucement à devenir jaune. Ça veut dire que j'ai du liquide qui arrive.
Et en plus, j'évacue quelques bulles d'air. Et les enfants, ils remplissent au fur et à mesure le liquide là-haut. Donc on enlève tout l'eau et on remplace par le liquide de refroidissement. J'aurais dû faire ça dès le départ. J'étais bête de tout vidanger à sec, tout le circuit. Donc j'ai eu des bulles d'air partout. Donc ça, voilà, c'est un petit peu galère. Donc là, encore 4-5 litres et c'est bon, tout est vidangé et tout fonctionne nickel. Et on finit sous la flotte. Je devais aller à l'entreprise pour commencer à faire les profils. Et puis avec ce temps-là, c'est fichu. Donc on est encore bloqué là aujourd'hui. Voilà. Manque de jus ? Ouais, manque de jus. Je vous ramène ça. Salut à tous. Alors nous sommes mercredi et il pleut toujours. Alors je sais pas si on va y arriver un jour. Mais je pense qu'on va y arriver parce qu'on a trouvé une solution. On a trouvé un hangar où on pourrait mettre Captain, pas très loin de l'entreprise, là où on va faire fabriquer les profilés pour boucher les panneaux. Donc on va aller à l'entreprise pour faire plier justement les profilés. Je vais en essayer un ou deux comme ça juste pour voir. Et puis ils vont me faire toutes les longueurs. On charge tout ça dans Captain et ensuite on ira se poser au sec dans le hangar. On peut rester là 2 jours apparemment, que 2 jours. J'espère que j'aurai le temps pour tout faire. Voilà, mais j'ai tout ce qu'il faut. On a été chercher hier le scotch papier, un mobilette, on a fait 30 km avec Charlotte, on est rentré, il faisait noir. Comme des petits jeunes, c'était trop bien. Et bah là, on fait ça. La vidange, du coup, c'est bon, c'est fini. La vidange du circuit de chauffage, c'est bon, c'est fait. Et on n'a plus de gasoil. Donc, je me souviens plus quand est-ce qu'on en a mis. C'est marqué sur mon petit cahier, mais on a dû tenir environ un mois et demi avec le bidon de... Il y avait 25 litres de gasoil dedans. Mais bon, sachant qu'il n'y a pas fait trop froid. Et là, le petit chauffage à air, ça fait... depuis que je l'ai monté, il tourne quasiment tout le temps. Et on a déjà consommé combien 6-7 litres de gasoil. Voilà. Donc c'est la dernière fois qu'on va sortir de là. Après, on ne pourra plus revenir, à part dans le chemin à ma mère, là-bas. Mais là, voilà. J'espère que ça va aller parce que c'est vraiment... C'est vraiment tout détrempé, regardez. Voilà. Donc on range tout ça et on voit si ça passe. Et on n'y arrive pas. Il reste pas grand chose, c'est la fin. C'est trop moche. La fin. Regardez-moi ça. Il y en a marre, franchement. On réfléchit à diverses possibilités, mais on a trouvé une déjà, une petite solution. Là. Ouais, il y a un entrepreneur là qui nous prête un peu de son garage. C'est bon. Il est débordé, mais il a dit bon bah je vais pousser un peu mes affaires et puis comme ça tu pourras te poser. Dans mon petit hangar, quoi, petit, ouais. Grand hangar. Donc, bah, c'est cool. Donc, voilà, on va à l'entreprise, tu l'as dit, non ? Ouais. On va à l'entreprise, on va chercher ce qu'il nous faut. Et puis, bah, après, on va chez lui pour pouvoir poser tout ça au sec. Allez, go ! À tout à l'heure. Bon, bah, ça y est, on est arrivé à l'entreprise. Ça y est, ils ont reçu la tôle. Le petit gars, là, il est en train de... C'est de la tôle de 8 dixièmes. Et donc il est en train de plier tout ça et puis on va faire une longueur pour voir, pour tester. Et normalement ça devrait le faire avec les petits essais qu'on a fait la semaine dernière. If I'd ever known, I'd ever known how you'd forever change my life. I would up and go. I would up and go, I'd walk out of sight. But I'm glad I rearranged it, rearranged from falling apart. Because you built me a mosaic, a perfect puzzle to capture my heart. So I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. You
No, I'll be here when you need me to, you need me to, so you won't have to stand alone. Just the thought of you, of falling for you, my world turns upside down. Questions of how, and would you love me now, and could you hold me in the storm? 'Cause in my mind I would be crazy to let my heart lead this romance. But I promise every day for you. Bonjour. Et tant qu'il fait moche, et bah, on peut pas finir. Pour tout cacher, protéger et éviter que s'il y a des fissures en dessous, ça se voit pas, quoi. Voilà, donc là on va aller faire un test. Ça te plaît ? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Ça fait propre ? Ouais. Tu t'en rends pas compte là. Ça sent bon ça ? Ouais, j'adore. Ça sent la retard. C'est un truc de dingue. Et là, tu vas en mettre aussi. Tu vas en mettre aussi sur les côtés des panneaux là ? Ici, ouais. Ouais. Je mets en haut et en bas. Et on finira avec toutes les chutes. Ils ont commandé deux plaques. Normalement, il y a assez. Et voilà. Bon, bah, on va faire 6 comme ça. On va en faire 6 du bas. Et on va les poser là-bas, au sec, ok ? Allez. Tu vas les mettre où par contre là ? On va les rentrer dans le bus comme ça là. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Bon bah ça y est, nous sommes à l'abri, hein, vous voyez, il y a un peu de place quand même, c'est cool. Et on a même un petit échafaudage. Ça, c'était le petit bonus qu'on ne savait pas. Et dehors, ça crachouille, c'est trop chiant. Donc en fait, on va refaire plier les grandes en haut parce que du coup, ça va pas. Du coup, bah, Jérémy, il s'attaque aux petites là. C'est pour ça qu'il est en train de tout nettoyer, tout mettre bien. Bon, et bien voilà ce que ça donne, les premières baguettes, les premières réglettes posées, vous voyez. Donc là, c'est juste collé. Hein. Ensuite, je viendrai refaire un tout petit joint pour cacher ici, là, vous voyez. Pour pas que l'eau elle rentre dedans. Mais bon, là, vu tout la colle que j'ai mis trois longueurs. Une ici et une ici, trois longueurs de colle. Et là, vous voyez, ça fait vraiment une finition. Bon, après, il y aura tout ça, ça va être enlevé, ça va être poncé, il y aura la peinture. Ça se verra quasiment plus, en fait. Et ce qui fait que le panneau peut travailler... Même s'il y a une petite fissure qui se crée à l'intérieur, et ben on la verra pas. Ça fait un peu comme des bandes à placo. Vous avez vu, j'ai les petits assistants. Ils tiennent ma baguette. Oh girl, it must be. Bon, et bien voilà, il me reste 7 plaques là à mettre. Ensuite, je mets la même de l'autre côté et j'aurai quasiment fini le quart. Donc j'ai calculé en tout, j'aurai tiré à la main 120 mètres de colle. C'est excellent. Bah, c'est excellent, au moins pour les poignets là. Enfin, je morfle. Hein. Voilà, donc je suis quand même assez content, je suis fier du résultat. Regardez, ça fait vraiment joli, ça fait fini. J'ai hâte d'enlever les scotch et tout. Franchement, super content. When I am next to you.
on est rentré chez grand-mère. Chez mamie. Ouais, chez mamie. Demain, on retourne à l'entreprise. Au matin, on refait comme on a fait ce matin. Je refais découper les trucs sur mesure. On les recharge dedans parce qu'il reste encore des petites réglettes à faire. Et surtout, ma mère vient nous dire vendredi, c'est férié. Ah ouais, on en donc, il faut oublié. Qu'on gère super bien le truc là. Que je découpe tout pour qu'on puisse les poser vendredi, qu'on soit tranquille. Voilà, je suis assez content. Il y a les premières baguettes que j'ai posées. Vous savez, je grattais pas la colle en fait. Je mettais le scotch, donc je pense que je vais galérer à le gratter après. Alors que les suivantes, avec une petite spatule, et ben je faisais ça, et j'enlevais tout le surplus, ça faisait super propre. Entière. Non, mais je m'en servais pour mettre derrière. Ouais, et donc, ça faisait super propre, et ensuite, je mets le scotch papier pour tout coller les baguettes, et comme ça, c'est nickel. Donc, il me reste trois longueurs à mettre en haut, sur le côté, et ensuite, on met les, comme ça, les verticales. J'étais en train de chercher horizontal, vertical, horizon, horizon, c'est comme ça l'horizon. Ouais, donc du coup vertical, voilà, on met les baguettes verticales et ça sera pas mal. Chouchou, ça sera quasiment la fin. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Hein. Faut faire le balatum aussi dans le bus. Dans le bus? Ouais. Quel balatum? Bah, ouais, mais ça grince encore, ça m'agace. Bah ouais, on verra ça plus tard, on fera ça au Portugal, mais ouais, du au Maroc, coup, tranquille. Dehors, ça sera quasiment fait et bah, y aura plus que la peinture à faire. Et voilà, ça sera c'est top, ça. Quoi. Oh, ma petite Yaya a pleuré. C'est mal réveillé. On vous fait des gros bisous. Qu'est-ce qu'ils font les bandits? Ils mettent des petits. Ils mettent quoi? Ils mettent des petits pouces. Et ils s'abonnent. En haut ou en bas? En bas. Non. Elle aime bien les pouces en bas, Julia. Comme ça, voyez tous ceux qui nous mettent des pouces en bas. Et ben, sachez que Julia, ça lui fait rien. Elle prend ça du bon côté. Allez, gros bisous à vous. Prenez soin de vous. Et à samedi pour la prochaine vidéo. Je pense que je vais vous mettre la recette de la pâte à gaufre et de tout ce qui va avec. Ça veut dire que samedi, non, vous mangerez des gaufres vendredi. Et je vais tourner vendredi, on mangera samedi. Mais vous aurez la recette samedi. Matin, à 9h, vous aurez la recette pour faire de bonnes gaufres à l'ancienne. Une recette que j'ai entièrement imaginée et créée. Je suis parti de zéro. J'ai fait plein de tests et j'en suis arrivé pas à cette recette. Tu l'as créée parce qu'on va encore si, dire. Si, je l'ai créée. Tu n'as pas créé ta farine, tu n'as pas créé enfin, tes bref, œufs, tu n'as pas voilà, créé c'est moi qui l'ai créée. Et bah, ça me fera plaisir de vous la faire partager. Et là, je vais faire vraiment une vidéo rien que sur ça. Et je vais vous expliquer comment faire pour que votre appareil à gaufres en fonte à l'ancienne ne colle pas. Surtout, c'est très important. Voilà. Gros bisous à tous. Bye bye. Prenez soin de vous. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. 'Cause I'm coming on strong, grass should I look greener. I need a true believer in the sky.